mes élèves, dans cette séance, on va faire un résumé sur les suites et deux exercices. Le premier concernant les suites adjacentes et le deuxième sur la suite sigma et la limite d'une suite définie par sigma. Commençons par résumer. On dit que la suite UN est croissante. Si ce rang-ci, la différence que n plus 1 moins un, supérieure ou égale à 0, pour tout n supérieur à n0. Et un est une suite décroissante, équivalent que la différence un plus 1 moins un inférieure à 0. Et on dit que un est une suite constante. Si seulement si la différence un plus 1 moins un égale 0 ou bien un plus 1 égale un. Tout n supérieur à n0. Et si la suite strictement positive, on peut montrer que la suite croissante par le quotient un plus 1 sur un plus grand que 1. Ou bien la suite un décroissante, c'est un plus 1 sur un inférieur à 1. Ou bien un plus 1 égale à un, dans le cas où la suite un est constante. Maintenant, la suite majorée. On dit que un est une suite majorée. Un est majoré par un nombre n. S'il existe, ou bien majoré, s'il existe un nombre réel n, tel que pour tout n supérieur à n0, un inférieur à n. Et n est le majorant de la suite un. Le contraire d'une suite majorée, c'est une suite ménorée. Alors, un est une suite ménorée par n, minuscule, c'est-à-dire que n minuscule inférieur à un ou bien un supérieur ou égal à n. Et pour la suite bornée, un est une suite bornée équivalent que la suite un majorée et minorée à la fois. C'est-à-dire qu'il existe deux nombres réels m et n tels que la suite un comprise entre n et n. Alors, ou bien la valeur absolue de un inférieure à un nombre k. K, c'est la valeur absolue de x inférieure à un nombre k. On dit que x compris entre moins k et k. Alors, la suite un, la valeur absolue de un inférieure à k, c'est-à-dire que un comprise entre moins k et k, c'est-à-dire que la suite un minorée par moins k et majorée par k, alors on dit que cette suite est bornée. Et maintenant, la définition d'une suite majorée, la définition d'une suite convergente, ou bien des critères de convergence. Alors, si la suite un croissante et majorée, croissante, et majeur. Alors, un est convergent. Ça veut dire que la diagramme. Très bien. La définition d'une suite convergente, c'est-à-dire que la suite un admet une limite finie. Donc, si la limite, on dit que un est convergente. Lorsque la suite un admet une limite finie, implique que un admet une limite finie. Et un, si un décroissante est ménorée, alors on dit que la suite un
est aussi convergente. Donc, pour la rédaction Un converge, si Un croissant majoré, ou bien Un décroissant minoré. Décroissant plus minoré. Et maintenant, on dit que de suite UN et VN sont adjacentes. UN et VN sont adjacentes. Si les trois conditions sont vérifiées. La première, UN croissante. Donc, l'une croissante, l'autre décroissante. Et la limite de la différence est égale à 0. Supposons que UN croise. La deuxième condition, VN décroissant. Et la troisième condition, la limite quand N tend vers plus l'infini de UN moins VN égale à 0. Ou bien la limite de VN moins UN égale à 0. Si on a les trois conditions, alors on dit que UN et VN sont des suites adjacentes. Et si la suite UN et VN adjacentes, si UN et VN adjacentes, alors on a les propriétés suivantes. Alors, on a si UN croissant et VN décroissant, alors on a les propriétés suivantes. La suite VN supérieure à la suite VN supérieure à UN. La deuxième condition, les deux suites UN et VN sont convergente vers la même limite L. Alors UN et VN sont convergentes vers la même limite L. C'est-à-dire que la limite de UN égale à L et la limite de VN égale à L. Lorsque n en bref plus l'infini. Voilà. Et après, on prend l'exercice numéro 1. U0 égale à 2 et V0 égale à 1 et UN plus 1 égale UN plus VN sur 2 pour tout n appartient à n et VN plus 1 égale UN VN sur UN plus 1 quel que soit n appartient à n. La première question, montrer que alors, montrons que pour tout n appartient à n, un plus 1 moins vn, un plus 1 oui, moins vn, plus 1 égale n moins vn. Oui, un moins vn de tout au carré sur 2. Très bien, un plus vn. Alors, calculons. N plus 1 moins n plus 1 égale 2
un plus 1, c'est un plus vn sur 2, plus, on remplace vn plus 1 par son expression, c'est moins un vn sur un plus 1, et on remplace le un plus 1 par son expression, le point un plus vn sur 2. Après, un plus vn sur 2, très bien, là. Et après, un vn sur un plus vn sur 2. Voilà, donc, les propriétés d'inverse deviennent 2 un vn sur un plus vn. Très bien. Et après, on réduit les fractions au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est 2 facteurs de un plus vn devient un plus vn le tout au carré moins 4 un, très bien, moins 4 un vn. Un plus 1 moins un plus 1 égale combien? Elle dit identité remarquable. Un plus un le tout au carré, c'est un au carré. Plus 2 un vn plus vn au carré moins 4 un vn sur 2 facteurs un plus vn qui égale un au carré moins 2 un vn. Très bien. Moins 2 un vn plus vn. Voilà. Vn au carré sur 2 facteurs un plus vn. On a dit, deuxième identité remarquable, un moins vn le tout au carré sur 2 facteurs un plus vn. Vn. Voilà. Un plus 1 moins vn plus 1. Dans la deuxième partie de la première question, montrer que vn comprise entre 0 et un. La récurrence, très bien. Raisonnement par récurrence. Alors, la question c'est montrons par récurrence que pour tout n appartient à l'ensemble n, le vn entre 0 et un. C'est ça. Oui. Voilà. La première étape, l'initialisation. Ou bien vérification. Pour n égale 0. Pour n égale à 0, on remplace n par 0. On obtient V0. C'est quoi V0? V0, c'est 1. 1 entre 0 et U0. U0, 2. 1 entre 0 et 2. Oui. Vrai. C'est une proposition? Oui. Vrai. Et la deuxième étape? Hérédité. Soit N appartient à N, parce qu'on a, pour tout N appartient à N, virgule, supposons. Supposons que Vn, comprise entre 0 et un, et montrant que Vn plus 1, oui, 0 et un plus 1. Et montrant que Vn plus 1 entre 0 et un plus 1. Alors, pour démontrer que Vn entre Vn plus 1 entre 0 et Vn plus 1, il s'agit de démontrer, juger les inégalités. Deux inégalités. La première, que Vn plus 1 supérieur à 0. Et la deuxième, que Vn plus 1 inférieur à Vn plus 1. On a l'expression de Vn plus 1 pour Vn plus 1. C'est Vn, Vn. Sur,
sur un plus 1. Mais combien de gamme de un plus 1? Un plus 1, c'est un plus un sur 2, avec le 2 avec le numérateur. L'inverse de l'inverse, donc j'ai un numérateur. Voilà. Et d'après l'hypothèse de récurrence, un plus grand que Vn et Vn plus grand que 0. Alors les deux suites Un et Vn sont strictement positives. On a le Un supérieur à Vn supérieur à 0. C'est-à-dire que Un supérieur à 0 et Vn supérieur à 0. Alors, Un positif, Vn positif, fois 2 positif, donc numérateur supérieur strictement à 0. Et la même chose pour la somme Un plus Vn est supérieur strictement à 0. Un nombre positif sur un nombre positif est un nombre positif. Alors, Vn plus 1 supérieur strictement à 0 aurait dit sigma 1. Donc, il suffit de montrer que Vn plus 1 inférieur à Un plus 1. Déjà, c'est bien la différence, un plus 1 moins Vn plus 1. Donc, et on a le Un plus 1 moins Vn plus 1 égale Un moins Vn de tout au carré sur 2 facteurs de Un plus Vn. D'après la première partie de la question. Déjà, c'est la différence. Un moins Vn au carré, un nombre au carré. Positif. Positif, très bien. Sur l'ensemble de deux suites positives. Un moins Vn, l'ensemble de suites positives. Alors maintenant, supérieur à 0. À cause de l'aide au carré, un nombre positif. On a un nombre positif, on a déjà un supérieur à Vn et le tout supérieur à 0. Alors, ça implique la différence supérieure à 0. Alors, Un plus 1 supérieur à Vn plus 1. Qui indique que Vn plus 1 inférieur à Un plus 1. Et à l'inégalité 2. Donc, d'après 1 et 2, voilà, d'après 1 et 2, Vn plus 1 comprise entre Z et Un plus 1. Finalement, la conclusion, par suite, pour tout n appartient à l'ensemble n, le Vn entre 0 et Un. Montrer que la suite Un décroissante est Vn croissante. Pour tout
Donc la différence, un plus 1 moins un inférieur à 0. Parce que le numérateur est un nombre strictement négatif. Sur 2, il reste négatif. Alors la différence inférieure à 0 implique que la suite un est décroissante. Il reste à montrer que Vn est croissant. Croissant. Je suis croissant. Oui. On prend. On prend que Vn est croissant. Troisième question, montrer que la différence un plus 1 moins Vn plus 1 inférieure à 1 demi facteur un moins V. Un moins Vn, le tout au carré
sur deux facteurs un plus un. Pour tout n appartient à n. Et nous montrons la différence inférieure à un demi facteur un moins un. Qu'est-ce déjà, nous avons le n demi. On a un moins un. Alors, il faut toujours avec l'expression de l'origine égale un demi facteur un moins vn fois j'ai mis un demi, on a dit un moins vn au carré, rendez la séparation, on dit un moins vn fois un moins vn sur un. Alors, je vais prendre maintenant un moins vn sur un plus vn. Donc, elle reste à montrer que elle a une quotient inférieure à 1. Donc, il est déjà le majeur de la voie, démontré la majeur par 1. Alors, ça fait avoir un bon résultat. Oui, qui va je vais démontrer la inférieure à 1. Je vais dire là. Je vais prendre inférieure à 1, parce que le numérateur est inférieur à dénominateur. Alors, le un, un, on a un moins vn et un plus vn. Qui fait le signe de vn d'après la première question? Supérieur ou égal à 0. Donc, ouais. D'après. Ou bien, moins vn inférieur à vn. Qui dit moins vn inférieur à vn? Et à cause que pour tout n supérieur appartient à n, vn supérieur à 0. Et le vn est une suite strictement positive. Alors voilà, moins vn inférieur à vn. Implique, on ajoute un les deux tables. Un moins vn inférieur à un plus vn. Implique, un moins vn sur un plus vn inférieur à 1. Car, donc, une fois qu'on de la division, attention à la partie de la division par 0. Mais un plus vn supérieur strictement à 0. Voilà. Et après, en multipliant par un demi fois un moins vn. On a la division, pas la division, on a sur un plus vn, on a la division un plus vn. Un plus vn, un plus vn sur un plus vn égale à 1. Donc, on a la modèle. Très bien. Implique que le barrage, il voit là déjà un client inférieur à 1, c'est bon. Donc, on a même d'abord fait un demi, un moins vn. Alors, on va dire un demi facteur un moins vn fois un moins vn sur un plus vn inférieur à un demi un moins vn fois 1. Donc, à l'étape, on a juste là, on a là, déjà qu'on a inférieur à 1, en gros, inférieur à 1, donc on a les deux termes fois un demi facteur de un moins vn. Un demi est un nombre positif, ou le un moins vn est un moins positif. On a déjà une incroyable, un moins vn, supérieur strictement à 0. Alors, au fait d'avoir un nombre positif, il y a quand même un symbole. Malgré les chiffres, même quand il y a un nombre négatif, avec ça, l'inférieur devient supérieur. Mais il n'y a pas de moins. Donc, le résultat, à l'intérieur, on a le résultat, il y a plus 1 moins vn, plus 1. Alors, il y a 1 et il y a 2. Donc, 1 et 2. 1 et 2 implique que un demi fois un moins vn fois le quotient. On a égal. Alors, A égale à B et B inférieur à C implique que A inférieur à C. Alors, voilà. Alors, un plus 1 moins vn plus 1 inférieur à 1 demi un moins vn. Fois 1, ça fait la chiffre à 1, et le 1 ou l'élément neutre, il y a la multiplication. Et voilà. Un plus 1, un plus 1 inférieur.
méthode, on dit la deuxième méthode. Donc l'imam Rachid Hassan, on dit la deuxième méthode. Je suis la deuxième méthode, le mot de la monotonie ou bien les variations de la suite VN. Déjà, la suite VN est croissante. La suite est croissante. Tout va bien? Bien. Je vois bien. Alors. Deuxième étape. On sait que la suite VN, c'est la suite VN. C'est une suite croissante. La suite VN croissante. D'après le résumé, c'est quoi la définition d'une suite croissante? VN plus 1, c'est une période moins VN. Très bien. La définition, c'est la différence VN plus 1 moins VN supérieure à 0 ou bien VN plus 1 supérieure à 1. Alors, puisque la suite est croissante, pour tout N appartient à N, le VN plus 1 supérieur à VN. Implique, il y a de la multiplication par moins Vn plus 1 inférieur à moins Vn. Et après, zido Qn plus 1, les deux termes. Implique que Qn plus 1 moins Vn plus 1 inférieur à Qn plus 1 moins Vn. Et après, avec l'expression déclinée à gauche, déjà, on est brillant, Qn plus 1 moins Vn plus 1. Donc, il reste à montrer qu'il y a la différence. Et il y a le N demi facteur UN moins VN. Oui, alors UN plus 1 moins VN plus 1 inférieur, on remplace UN plus 1 par son expression qui est UN plus VN sur 2 moins VN. UN moins VN, donc il y a moins 2 VN sur 2. Le numérateur commun pour un demi facteur UN plus VN moins 2VN et UN moins VN. Voilà, maintenant c'est moins l'expression. Là, vous avez des calculs et majorés supérieurs à 0. Donc, directement. Mais, de là, l'information que la suite VN est croissante. Maintenant, la question 4 montrait que un moins vn inférieur à un demi à la puissance n. Très bien, un demi à la puissance n. Le balayage, voilà. Donc, le balayage, ou bien l'itération, ou bien télescopage, avec un mouvement de la méthode. La question 4 montrant que pour tout n appartient à n, un moins vn inférieur à 1 demi le tout à la puissance n. D'après 3, d'après la question 3, on a pour tout n appartient à n, un plus 1 moins vn plus 1 inférieur à 1 demi facteur un moins vn. Donc, faites l'inégalité. On a une relation entre Vn plus 1 moins Vn plus 1 et Un moins Vn. Et ça résout le N. Alors, Un moins Vn inférieur, chose. Non, N plus 1, mais N. Donc, toujours l'élément, les avant. Avant le N plus 1, on a N. Et avant le N, on a n moins 1. Alors, un moins vn inférieur à 1 demi facteur un moins 1 moins vn moins 1. Voilà. Et après, un moins 1 moins vn moins 1 inférieur à 1 demi facteur un moins 2 moins vn moins 2. Et après, un moins 2 moins vn moins 2 inférieur à 1 demi un moins 3 moins vn moins 3. Ainsi de suite, jusqu'à un moins V1 inférieur à 1 demi U0 moins V0. Dans la rédaction, je suis dans l'idée des étapes qu'il y a. Et d'abord, je vais prendre le pied de la chaîne. Alors,
va dire la multiplication terme à terme. Donc, je vais dire la multiplication, je vais produire des lettres de terme on est en 1/2 à 1/2 fois 1/2 fois 1/2 fois 1/2. Et après, à deux termes, des termes positifs, à deux termes supérieurs à 0. Je vais déjà vous montrer dans la première question que un ou bien vn inférieur strictement à un. Alors un moins vn supérieur strictement à 0. Enfin, je vais dire la multiplication. Et si je dis n de un moins 1 moins vn moins 1 avec un moins 1 moins vn moins 1. Et après un moins 2 moins vn moins 2. Et après un moins 3 moins vn moins 3. Donc je vais terminer. Mais je vais faire ce pas. Dès que vous avez des boules, vous voulez à droite. Donc, il y a U1 moins V1, et puis il y a un autre qui est déjà plus de U1 moins V1. Je vais le faire. Et puis, il y a UN moins VN inférieur. Inférieur strictement. On a inférieur strictement. Il y a un inférieur strictement. Quand on dit inférieur égal, mais il y a un inférieur. 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Combien ? 1 demi. 1 demi à la puissance. À la puissance, donc de n jusqu'à 1. N moins 1 plus 1. Alors n, très bien. À la puissance n. Facteur de I0 moins V0. De I de moins 1. Très bien. A égale à 2, ou A égale à 1, ou 2 moins 1 égale à 1. Donc un chiffre à l'eau, elle prenne pour tout n appartient à n, la différence un moins Vn inférieur à 1 demi à la puissance n. Tout simplement. Oui. Il est déjà pour n égale à 0. Oui. Donc la réaction, elle déroule n égale à 0. Ça fait n égale à 1, n égale à 2 jusqu'à n. N égale à n. Affectation, n égale à n. Trop, on peut simplifier, peut-être ce lèche. Mais attention, des fois, quelqu'un qui là, le bâtiment criminel libre montrait que. L'examen national, je pense 2019, il m'a montré par récurrence que n moins vn fera 2 à 2 à la puissance n. Alors, je suis idée de la méthode de balayage 0. Après 0, un hash dit que ça aurait utilisé en utilisant la récurrence. Donc, ça suffira par récurrence. Mais par récurrence, ça va. Et supposé n moins vn inférieur à 1 demi à la puissance n, et tu montres que n plus 1 moins vn plus 1 inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1. On redouble le résultat, il est déjà le climat, il y a eu n plus 1 moins vn plus 1. Voilà, où est-ce que vous avez déjà validé ce qu'on fait, ça, c'est ce qu'on sait. Déjà validé ce qu'on suppose, si vn moins vn inférieur à 1 demi à la puissance n, fait des temps. La question 5. Montrer que UN et VN sont adjacentes. Sont adjacentes. Pour montrer que les deux suites sont adjacentes, d'après la définition, on a trois conditions, l'une croissante et l'autre décroissante, et la limite de la différence égale 0. On a déjà montré que VN croissante et UN décroissante, et reste à montrer que la limite de UN moins VN égale à 0. Donc, d'après 4, on a un moins vn inférieur à 1 demi à la puissance n et un moins vn est supérieur strictement à 0. Donc la question 5. Puisque tu veux juste voir la limite de la différence un moins vn. Il y a un calcul. Très bien. Les bords, les deux bords. Alors la limite de 0 égale à 0. Et la limite de 1 demi à la puissance n, très bien. 1 demi, elle est comprise. Très bien. 1 demi entre moins 1 et 1, bravo. Oui. D'accord, entre moins 1 et 1, alors égale 0. Donc, d'après le théorème Jordan, la limite de 1 moins vn, 0, 0. Voilà. D'après le théorème. Thank you.
la limite quand n tend vers plus l'infini de un moins vn égale à 0. Monsieur, oui. Alors sur la limite de 1 demi à la puissance n égale à 0. La limite d'une suite géométrique. Alors, la limite de la différence égale à 0, et puisque Vn croissant, ou bien Un décroissant, et Vn croissant, et la limite de Un moins Vn égale à 0, alors les deux suites de Un et Vn sont adjacentes. Un et Vn sont des suites convergentes vers la même limite L. Alors, Un, la question sur Un et Vn. Alors, Un et Vn sont convergentes. Déterminer leur limite commune, c'est-à-dire déterminer L, la limite commune de Un et Vn. Déterminant L, la limite commune.
Donc, pour déterminer L, la valeur de L, soit il connaît les cinq conditions. Les cinq conditions sont U0 appartient à l'intervalle I, UN plus 1 égale à F de UN, UN converge, F continue sur l'intervalle I, et F de I inclut dans I. Dans ce cas, on dit que la limite de la suite UN est une solution de l'équation F de X égale à X. Très bien. Ou bien, on trouve une relation entre, par exemple, UN et VN pour calculer la limite. Mais, dans l'exercice, on a le VN plus 1 égale UN VN sur UN plus 1. C'est ce qu'on a dit, une relation soit entre UN et VN. Tout seul, il y a UN et VN, ou bien UN plus 1 avec VN plus 1. Mais il y a un VN plus 1 en fonction de UN plus 1, UN et VN. Alors, où est-ce que ça va? Implique, je fais une boule de là, alors je vais dire VN plus 1 fois UN plus 1, ou bien le bon, UN plus 1 fois VN plus 1 égale UN fois VN. Donc, je ne fais que ce qu'on a dit. UN plus 1, VN plus 1 égale UN fois VN. Nous avons une nouvelle suite, par exemple, où on pose WN égale UN, VN. Non, extrait. Non, on a une suite extrait, qu'on a U2N plus 1. Alors, WN égale UN fois VN. Combien égale WN plus 1? UN plus 1, VN plus 1. Donc, l'égalité devient WN plus 1. Alors, égale W de N. Alors, c'est quoi la conclusion? W de N plus 1 égale à W de N. Très bien. Alors, la suite de W de N est une suite constante. Alors, bien. Donc, W de N est constante. Puisque la suite WN est une suite constante, donc, vous connaissez l'expression, hein? Si la suite WN est constante, alors WN égale à W0, égale à W1, égale à W2, égale à W3. Donc il suffit de remplacer le N par 0 pour déterminer l'expression ou bien le terme général de la suite WN. Alors, pour tout N appartient à l'ensemble N, WN égale WN, parce que la suite WN est constante. Toujours N appartient à N, WN égale WN. Alors WN égale à WN. Je suis tranquille, WN plus 1 égale à WN. Et là, on va remplacer ici N par 0. Je vais dire W1 égale W0. On va remplacer ici N. Donc, un indice pour les résultats de l'écrit. W, il a W1 égale à W0. Il va remplacer la N par 1. W2 égale à W1. Donc, il y a W2 égale. Il y a N égale à 2. W3 égale à W1. Donc, il y a W3. Ou tu crois que l'égal égale à L, il y a WN. Donc, il faut faire le choix de W2N. On peut soit W0 ou le W1. Les faciles à calculer, on peut W0. Donc, on remplace N. Alors, W0 égale à W0. Où je suis en mode W0? Égale à U0, V0. U0, V0. Et après, je suis en mode U0, V0. Deux fois. Finalement, WN égale à 2. Alors, regarde la suite. WN, I et 2. Mais c'est aussi la question de là. On a besoin de calculer la limite L. Déterminant L, la limite commune de UN et VN. Mais d'abord, est-ce qu'on a une relation entre UN et VN? Déjà, avec UN et VN, il y a WN. Mais WN égale 2. 1, 2. 1 et 2 impliquent WN égale 2. Et WN égale UN et VN. Alors,
bien égal à UN VN? 2. Égal à 2. Très bien. Voilà. UN VN égal à 2. Passons à la limite. Passons à la limite. Alors, la limite. Quand n tend plus l'infini de UN VN égale la limite de 2. C'est quoi la limite de 2? Égale à 2. Ah, combien égale la limite de UN? Égale à n. Parce que les deux suites UN et VN sont convergentes vers n. Alors, la limite de UN égale à n quand n tend vers plus l'infini. Et la limite de VN est aussi égale à n. Égale à n. VN égale à n. Donc, n fois n. Alors, n fois n égale à 2. Ce qui implique que n carré égale à 2. Implique que n égale racine 2. Moins racine 2. Très bien. N égale à moins racine 2. Et puisque, d'après la première question, les deux suites UN et VN sont strictement positives. Alors, leur limite est aussi strictement positive. Ah, donc le n est supérieur strictement à 0. Donc n est supérieur strictement à 0. Et n est inférieur à 0. Alors, la limite de la suite UN, c'est racine 2. Implique, ou bien finalement, par suite, limite de UN égale la limite de VN. Égale racine 2. Voilà, égale racine 2. La suite VN entre 0 et UN. La suite VN entre 0 et UN. Passons à la limite. Donc la limite de VN entre limite de 0, c'est 0, et limite de UN. Alors, la limite de VN, quoi N? Alors, N supérieur à 0. Donc, la limite, il y a la limite de suite, VN ou VN, mais supérieur strictement à 0. Alors, on est on voit la racine moins racine de 2. Donc, la racine de 2, et finalement, la limite commune, c'est racine 2. Donc, l'objectif de l'exercice, l'étude de deux suites adjacentes, est déterminée. Limite. Maintenant, on passe à l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, c'est l'examen de 1 montrons que pour tout n appartient à n, un entre 0 et 1 sur 4. Donc, oui. On va utiliser la récurrence. La fonction, oui, bien sûr, la fonction. Et montrant que UN plus 1 entre 0
considère la fonction, ou bien soit la fonction, soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0, 1 sur 4. Donc on travaille sur l'intervalle 0, 1 sur 4, parce que le UN entre 0 et 1 sur 4. D'accord, pour l'intervalle, c'est nos i. Voilà. Défini par f de x, tout simplement la fonction, on remplace le x par un n par x. On remplace un n par x. On trouve f de x égale x carré sur 1 moins 2x carré. Donc, combien égale un n plus 1? Un n plus 1, tout simplement, on va mettre x ou un n, alors égale f de un. L'image de un par la fonction f, il a remplacé x par un, il n'y a pas un au carré sur un moins de un au carré, ou un f un plus 1, donc un plus 1 égale f de un. Maintenant, étudions les variations de la fonction f de x. Comment? Cette fonction est dérivable sur l'intervalle i, sur l'intervalle 0, 1 sur 4. C'est une fonction rationnelle, et toute fonction rationnelle, ou bien en général, toutes les fonctions rationnelles sont dérivables sur son domaine de définition. Alors, f est dérivable sur l'intervalle i 0, 1 sur 4. Alors, pour tout x appartient à l'intervalle 0, 1 sur 4, la fonction dérivée f' de x, combien égale f' de x? Ah oui. Rappel, u sur v, le tout prime égale u' v moins uv' sur v au carré. Hein? Donc, x est toujours la dérivée de x carré c'est 2x, tout simplement. Fois 1 moins 2x carré moins x carré fois la dérivée de 1 moins 2x carré. La dérivée de 1, 0. La dérivée de moins 2x carré, c'est moins 4x. Moins 4x. Sur 1 moins 2x, le 2x carré, le tout au carré. Égal. 2x moins 4x, ça va faire 3 plus 4. Oui. Donc 2x moins 4x, 3 plus 4x, 3. Très bien, on dit ça, 1 moins 2x carré, le tout au carré. Voilà. Et après, le moins x3 réduit avec 1x3, il reste 2x sur 1 moins 2x, le tout au carré. Voilà. F' de x. La technique du dénominateur au carré supérieur à 0. Il y a le 2x, mais x appartient à l'intervalle 0 plus infini. Alors, je peux mettre strictement à 0. Donc, f strictement croissante. Il y a le tableau. Croissante, voilà, strictement croissante. Donc, puisque la, la fonction strictement croissante, d'après jeu de la récurrence, d'après l'hypothèse de récurrence, on a un entre 0 et 1 sur 4. Et puisque la fonction, ou bien puisque la fonction est croissante, donc rappel, f croissante, c'est quoi la définition d'une fonction croissante? Équivalent à dire que A inférieur à B implique que F de A. Très bien, F de A. Voilà, inférieur à F de B. Donc, si A inférieur à B est la fonction croissante, alors F de A inférieur à F de B. Et quand la fonction décroissante, avec le symbole, il se met nul. Avec inférieur devient supérieur et l'inverse. Très bien. Donc, mais il est quand la fonction croissante, ou un a un encadrement, c'est-à-dire que un entre 0 et 1 sur 4, vous dites la fonction, alors f de un entre f de 0 et f de 1 sur 4. Voilà. Car f croissante. Et implique que
égale 1 sur 4, F1 sur 4, F1 sur 4 égale 1 sur 16 sur 1 moins 2 fois 1 sur 16 qui est égal. Non, est-ce qu'il y a 1 sur 8 1 moins 1 sur 8, il y a 7 sur 8. Peut-être qu'il y a 7 sur 8. Alors 8, 8 sur 7 fois 1 sur 16. 1 sur 14. Oui, oui, oui. Mais je vais vous dire, il y a 1 sur 14. 1 sur 14. Alors le un plus 1 entre 0 et 1 sur 14. Mais on a bien démontré que avec un plus 1 entre 0 et 1 sur 4. Tu veux le 1 sur 14 voilà. Inférieur à 1 sur 4. Oui, les intervalles, parce que l'intervalle 0, 1 sur 14 est inclus strictement l'intervalle 0, 1 sur 4. Donc, et le calcul, je vous ramène, je suis propre, je vais vous brouiller. Par suite, UN, pour tout N appartient à N. UN entre 0 et 1 sur 4. La deuxième question, eh bien, la première question B, ça c'est 1. Mais il faut que le raisonnement par
équivalence. Donc, comment nous supposer donc une chose, elle a démontré au Hadi, elle est sur une proposition vraie, mais c'est démontré. Donc, nous le raisonnement par équivalence, donc A sur 1 moins 2 A carré inférieur à A, j'ai pour la là, parce que la nombre possible, la cache de A sera entre 0 et 1 sur 4. Alors A carré entre 0 et 1 sur 16. 2 A carré entre 0 et 1 sur 8. Enfin, je dis moins 2 A carré, là tu connais entre moins 1 sur 8 et 0. Enfin, je dis plus 1, plus 1, fait 0. Plus 1, 1 moins 2 A carré entre 1 moins 1 moins 7 sur 8. 7 sur 8, qui est le supérieur à 0 et 1. Donc, avec 1 moins 2 A carré, qui est positif. Positif. Alors, supposons que la proposition est vraie. En utilisant le raisonnement par équivalence successive, A carré sur 1 moins 2 A carré inférieur à A. Ce qui implique que A carré inférieur à A facteur 1 moins 2 A carré. Je vous donne le cas de maintenant. Puis-je trouver 1 moins 2 A carré réduit. Il est quand même un nombre négatif. Alors l'inférieur devient supérieur. Donc, puisque Heda est un nombre supérieur strictement à 0, donc on va être plus loin. Donc, attention, on a dit les détails, on va écrire les points. Alors, A carré inférieur à A moins 2 A à la puissance 3. Donc, je n'ai pas une caméline, je vois avec chez la caméline, 2 A à la puissance 3 plus A carré moins 1 supérieur à 0. Inférieur à 0. Implique de valider une caméline qui est A. Donc, on ne factorise pas par A. Donc, A facteur. 2a carré plus a moins 1 inférieur à 0. Le signe de a, déjà, ça a faux. Donc je connais inférieur à 0. Voilà. Donc 2a carré plus a moins 1 inférieur à 0. Et le a a déjà supérieur strictement à 0. Donc, le chat faut le signe de le trinôme, c'est vous delta. D, combien de la delta? B au carré, 1 moins 4ac. C'est-à-dire plus 8, 3 de 9 égale à 9. Alors, 2 sur 800, on a A1, combien il y a A1? Moins B, moins 1, moins ça fait 1 sur 2. Oui, sur 2 A, sur 4. Ça fait 1 sur 2. Moins 4, moins 1. Moins 1, moins 1. Moins 4 sur 2. A moins 1, A2, A2 égale à. Bravo, oui. Bravo, pas des antennes. 2 sur 4, c'est 1 sur 2. Voilà, 1 sur 2. Et après, il y a le tableau ici. A. Donc, les solutions, tu me vois moins 1 et 1 demi. Binaire de moins. Donc, on a moins. Le signe contraire de A, on a plus. Plus. Mais le A appartient à l'intervalle 0, 1 sur 4. Donc, on a une chiffonie, l'intervalle 0, 1 sur 4. L'un de moins, il a mis non. Moins 1. Donc, moins 1 ou 1 sur 4, il y a 0,5. Donc 0, 1 sur 4, on inclut l'intervalle 0, 1 demi, moins 1 demi. Donc l'intervalle 0, 1 sur 4, avec le trinôme, il y a moins 2 a carré, il y a le tableau ici, 2 a carré plus 1 moins 1, et la question est négative. Donc c'est une proposition vraie. Vraie. On a d'autres raisonnements par équivalence successive de déjà de source de la première année. Alors la proposition est vraie. Je vais vous dire la deuxième méthode, la différence. On va la chercher. On va dire la différence. Je vais vous dire l'équation, mais en fonction de un. On trouve 2 un au carré plus un moins 1. Il suffit de démontrer des indicateurs inférieurs à 0. Le résultat, donc le raisonnement par équivalence successive. Mais la différence, c'est l'étude de signe, de mettre le trinôme là. Donc, on va dire delta, delta comme signe, on va dire résultat. Exactement. Donc, dans la gamme, on va dire la récurrence qui est de vérification.
revient à l'initialisation. L'encadrement. Oui, Donc, comme le réel, on dira comme deuxième méthode. Comme le réel, on dira comme deuxième méthode. Alors, la proposition est vraie. Et pour l'hérédité, soit N appartient à l'ensemble M, supposons le résultat, c'est-à-dire que UN plus 1 inférieur à UN, et montrant que UN plus 2 inférieur à UN plus 1. Alors, d'après l'hypothèse de l'écran, on a UN plus 1 inférieur à UN. Et la fonction f, et puisque f est croissante, donc la fonction est strictement croissante sur l'intervalle de 0 à 1 sur 4. Alors f de un plus 1 inférieur à f de quoi? De un. Oui. Et puisque le f de un égale un plus 1, oui. Alors, on a le un plus 1 égale f de un. Si on remplace le n par n plus 1, on obtient un plus 2 égale f de un plus 1. Alors, un plus 1 égale f de un, ou un plus 2 égale f de un plus 1. Alors, f de un plus 1 égale combien? Égale un plus 2. Implique que un plus 2 est inférieur à f de un qui est un plus 1. Et voilà. Maintenant, on voit la question de la référence. Nous montrons que un plus 2 inférieur à un plus 1, voilà pour le résultat électrique. Finalement, par suite, pour tout n appartient à n, un plus 1 inférieur à un. Donc un est croissant. Voilà, donc un est croissant. Et comme deuxième méthode, super strictement à 0.
un entre 0 et 1 sur k, un au carré, on favorise ça. Et pour le un, un supérieur strictement à 0, et le un, donc là, supérieur strictement à 0. Donc, il reste à montrer que 2un au carré plus un moins 1, supérieur à 0. Donc, on peut toujours le changement de variable, on pose le x égal à x égal à un, et de l'étude de signe. Ouais. Déjà, très bien, déjà, là. Alors, elle est plus rouge, même 2 u1 au carré plus u1 moins 1. Alors, 2a carré plus 1 moins 1. Alors, on a retrouvé les résultats. Question C, 1C. On dit deux que la suite UN est convergente et que la limite de UN égale 0. Alors, on a déjà vu que si la suite UN croissant est majorée, alors elle est convergente. Ou, si elle est décroissante et minorée, alors la suite est convergente. Donc, la question c'est, puisque UN est décroissante et minorée par 0, UN décroissante et minorée par 0, parce que le un entre 0 et 1 sur 4, alors minoré par 0 et majoré par 1 sur 4, alors elle est convergente. Voilà. Maintenant, montrons que la limite de un égale à 0. Montrons que la limite de un n tendant plus l'infini égale à 0. Rappel.
on a les cinq conditions. U0 appartient à l'interpagne. Un plus 1 égale f de un. Un converge. F continue sur l'intervalle i. F de i inclut dans i. Si on a les cinq conditions, alors la limite de la suite un, alors la limite de un est une solution de l'équation f de x égale à x. Est une solution de l'équation ou bien d'équation f de l égale à l ou bien f de x égale à l. Supposons que l doit la limite de un. Alors, ça vous vérifiez les 5 conditions, faites l'exercice pour calculer la limite de un. Alors, la prochaine étape, la suite, l'exercice défini implicitement ou bien défini par récurrence. Mais on a juste l'expression du n. Fais je une suite définie explicite, c'est-à-dire on a le terme général de un, on peut calculer la limite de cette suite. Mais un est défini par récurrence, c'est-à-dire un plus 1 égale de un, c'est-à-dire une suite définie par récurrence. C'est-à-dire on a une relation entre deux termes consécutifs. Alors, on a le U0, combien égal à U0? Avant le U0, c'est quoi l'intervalle? L'intervalle, l'intervalle ou l'encadrement de la suite UN et qui est la première question de la récurrence. On a le UN entre 0 et 1 sur 4. Alors l'intervalle, c'est l'intervalle ouvert 0, 1 sur 4. Le i ou l'intervalle 0, 1 sur 4. Donc le u0 appartient égal à a. Et le a appartient à l'intervalle 0, 1 sur 4. Alors, la première condition. La deuxième condition. On a le u1 plus 1 égale f de un. Des fois, qu'on a eu un plus 1 égale f de 1 plus. Plus 1 moins 1. Donc, il reste un plus 1 égale à f de 1. Et la troisième condition, la suite un converge. Voilà, déjà, primaire, la suite est converge. Alors, la suite un converge, c'est décroissante et minorée. La quatrième condition, la fonction f est continue. Est continue, voilà, la fonction f est continue sur l'intervalle i, il y aura 0, 1 sur 4, car f est une fonction rationnelle. Rationnelle, voilà, rationnelle. Et f de x, l'expression de la fonction, c'est x carré sur 1 moins 2x carré. Elle est une fonction continue d'après les propriétés de la continuité. Les déjà x au carré sur 1 moins x carré. Voilà. Alors, cinquième condition, f de l'intervalle i. Le marge de l'intervalle i. C'est-à-dire que f de l'intervalle ça va 1 sur 4. Puisque la fonction continue et strictement croissante, alors les marges de l'intervalle 0, 1 sur 4 égale à f de 0, f de 1 sur 4, qui égale les marges de 0, c'est 0, et les marges de 1 sur 4, 1 sur 4. Et voilà, très bien. Et cet intervalle 0, 1 sur 14 inclut l'intervalle 0, 1 sur 4. 0, 1 sur 4. Finalement, f de i inclut dans i. Donc, les cinq conditions. Alors, la limite de la suite un. Alors, la limite de un est une solution
proportion f de l égal à l. Thank you.